Je pense que la bonne moitié du film repose sur les voix. Et on a pris le parti d'enregistrer, presque faire un tournage avec les enfants et les acteurs. Ça va pas assez vite. Ouais. Ça marche. C'est notre secret, hein. On a choisi des enfants qui n'étaient pas acteurs, mais on a essayé de recréer le groupe d'enfants qu'il y avait dans le scénario. Donc on les a choisis pour leur personnalité, leur différence d'âge et leur capacité aussi à oublier la caméra et être assez spontané. On respire et action. Ah, toi t'es chef, c'est ça? Faut oublier à toi. Exact. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Non. Non. Toi, t'es le chef, c'est ça? C'est à toi qu'il faut obéir? Voilà, t'as tout pigé. On fait juste ça. Puis ensuite, vraiment, scène après scène, on leur a expliqué ce qui se passait. Donc, ils découvraient le film aussi au fur et à mesure qu'ils jouaient les scènes. Et c'est ça qui a donné ce côté très presque documentaire au film. Plutôt que ce qu'on fait d'habitude en animation, c'est qu'on enregistre derrière un micro une voix après l'autre et qu'on monte le tout à la fin.